bon, il y aura bien Michel Pascal. Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Malgré le confinement qui nous interdit de nous rassembler et nous disperse chacun chez nous, l'Église invite tous ses enfants à se réunir pour veiller et prier. Nous savons, le Seigneur nous l'a dit, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de nous. Je suis là au milieu d'eux. Si vous n'avez jamais participé à une vigile pascale, soyez les bienvenus à travers l'écran. Vous verrez, c'est une belle et longue nuit de veille. Je vous invite à être bien installés. Les enfants, ce soir, pendant cette vigile de Pâques, vous aurez le droit de vous endormir dans les bras de vos parents. N'hésitez surtout pas. Voilà, il est recommandé d'éteindre la lumière ou au moins de la baisser dans les endroits où vous êtes, chacun chez vous. Vous êtes aussi invité, si vous avez des bougies, eh bien, vous pouvez les allumer. Ce soir, nous allons prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, celle que le Christ nous adresse. C'est une vraie nourriture pour notre vie, surtout en ce temps de retrait du monde. Nous renouveler nos promesses baptismales dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort pour vivre avec lui pour l'éternité. Nous prions spécialement ce soir aussi pour toutes les personnes qui auraient dû être baptisés dans cette sainte nuit de Pâques. Nous les confions à Dieu et nous lui demandons la grâce qu'ils persévèrent saintement jusqu'au jour de leur baptême. Et maintenant, entrons dans cette belle et sainte nuit de Pâques. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un peu plus aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la puissance, la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Par ses plaies glorieuses, par ses saintes plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège Lumière du Christ.
Rendons grâce à Dieu. Thank you.
avec votre esprit. Nous le tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Thank you.
Aussi nous t'en prions, mon Seigneur, permets que ce siège pascal, consacré à ton nom, brûle son éclat dans cette nuit, qu'il soit ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous,
que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre. Qu'elle reste inébranlable au cours des temps, tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage on entend leur cri. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs.
cela ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait même, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham. » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu m'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui sur le mont « Le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, partage ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer après sec. »
Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il les frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse : Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater en gloire. Il l'a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon âme. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur.
Maintenant encore, Seigneur, nous voulons, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, pour une fois, nous allons écouter toutes les lectures de cette veillée qui nous retrace l'histoire de notre humanité, l'histoire de notre salut, l'histoire de notre famille, bref, notre histoire. Ces lectures peuvent s'écouter trois par trois, c'est pour cela que je vais faire trois petits mots pour tenter de garder votre attention. Ces trois premières lectures remontent très loin. Elle nous parle d'abord de la création. Cette création si belle, si bonne surtout, que Dieu regarde avec délice pour nous la donner, pour nous la confier. Il a tout fait avec un ordre admirable pour y placer et y accueillir sa créature chérie, celle faite à son image, l'homme et la femme. Puis après, nous avons entendu une lecture qui nous parle du sacrifice d'Isaac et surtout après du choix de Dieu sur Abraham pour se constituer un peuple particulier au milieu de toutes les nations. Dieu l'a choisi gratuitement, non qu'il soit le meilleur, mais il lui dit qu'à cause de sa foi, il va le combler. Enfin, nous avons relu l'histoire de la Pâque juive, du passage de la mer Rouge, par lequel Dieu délivre et régénère son peuple. Mes frères, en bref, ces lectures nous préfigurent et nous préparent déjà lointainement à la venue de Jésus. Elles préfigurent et préparent la venue de Jésus. Oui, c'est par sa parole
par lui, Jésus, que Dieu notre Père a tout créé au commencement et a tout recréé par l'humanité de Jésus. Si nous mettons notre confiance et notre foi en lui, Dieu nous choisit, comme Abraham, pour faire partie de son peuple particulier au milieu de toutes les nations. Et puis enfin, si nous acceptons de passer, grâce à Jésus, à travers les eaux du baptême, il peut nous aussi nous régénérer, nous délivrer des esclavages de cette vie. Tout cela préfigure et prépare lointainement la venue de Jésus, la création, l'élection d'un peuple en Abraham, et la délivrance prépare et préfigure Jésus. Écoutons-nous maintenant la suite de notre histoire. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde. Vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultons de joie.
voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Et qu'il fut le temps de joie, vous puiserez les eaux, sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le sublime et son nom. Et qu'il fut le temps de joie, vous puiserez les eaux, magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et exultez de joie, vous puiserez aux sources du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute Israël, les commandements de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes, elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Masse d'orfraie, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse de faire grandir ton Église en appelant à elle les hommes qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans l'eau du baptême par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, les lectures qui suivent nous parlent d'un temps lointain, mais un peu moins, quelques siècles avant Jésus, d'abord à travers la bouche du prophète Isaïe, qui nous parle d'un temps où le Seigneur, dans sa tendresse, va vouloir renouveler son alliance avec son peuple qui s'est écarté de lui par bien des reprises. Il veut lui ramener à lui son peuple chéri, pour en prendre soin. Il veut l'attirer à lui, nous l'avons entendu dans ses lectures, par toutes sortes de délices et de bienfaits, mais surtout par sa miséricorde. Enfin, après, dans la bouche du prophète Baruch, eh bien, de nouveau, il nous supplie. Il nous supplie de revenir à lui, par le don de sa sagesse. Mes frères, une fois de plus, tout cela prépare et cela préfigure Jésus. C'est lui, et même en son sang, c'est en lui que Dieu va faire une alliance nouvelle et éternelle, pour nous ramener enfin au Père. C'est par lui que notre Père nous comble de toute la splendeur et des délices dont les prophètes annoncent la venue. Mais surtout, le plus grand de tous ces délices, sa miséricorde. Et enfin, le prophète Baruch qui ne tarde pas d'éloges sur la sagesse qui brille de mille feux de trésors incalculables, eh bien c'est encore une préfiguration de Jésus qui a vécu, lui, la sagesse parmi les hommes. En y entrant, nous entrons dans la vie même de Dieu. Écoutons maintenant la suite de notre histoire.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur, quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un cerf altéré cherche nos vives, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme un cerf altéré cherche nos vies, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Oh, comme un cerf altéré cherche nos vives, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma âme, Dieu mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche nos vies, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère.
mystère pascal, en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, boni voluntatis, lauda. Thank you.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, voilà enfin le cœur de notre foi. La résurrection d'entre les morts du Seigneur Jésus. Il a fallu de longs siècles de préparation, de nombreuses préfigurations pour prendre la mesure du salut, du sauvetage que Dieu veut donner à l'humanité. Aujourd'hui, sur toute la terre, nous combattons un minuscule virus qui paralyse l'humanité. Et je pense qu'avec les efforts des scientifiques, eh bien nous allons finir par remporter une victoire sur ce minuscule petit virus. Nous allons enfin être sauvés de ce virus. Mais ce soir, nous faisons mémoire d'une autre victoire que Jésus est venu remporter. Une victoire que lui seul pouvait mener, que lui seul pouvait gagner. Cette victoire, ce sauvetage, ce salut, même l'humanité tout entière rassemblée ne pourrait pas la gagner sans Jésus. Cette victoire, elle est, vous l'avez compris, sur un autre virus, beaucoup plus discret et pourtant beaucoup plus dangereux. Un virus dont la souche est... dont la souche originelle remonte à Adam et Ève, un virus contre le corps, contre lequel nous ne sommes pas encore immunisés. Ce virus est celui du péché, qui entraîne la mort de l'âme. Contre ce virus-là, Jésus est venu, il a combattu. Et il a remporté la victoire, il nous a sauvés. Il n'y a que lui qui pouvait nous sauver de ce virus-là. Pas même l'humanité tout entière rassemblée ne pouvait nous délivrer de cela. Comment ? Par sa victoire sur la mort, que nous fêtons dans cette bienheureuse nuit, par son amour pour nous, dans l'extrême souffrance que nous lui avons infligée. Par là, il a vaincu. Par là, il nous a ramenés vers le Père. Il nous a comblés de tous les délices qui ont été annoncés par les prophètes que nous avons entendus tout à l'heure. Il nous a recréés, comme c'était annoncé, préparé et préfiguré de longs siècles avant la venue de Jésus. Mais je crois que surtout, à travers sa victoire sur la mort, par sa résurrection, par son amour dans la passion
Et bien surtout, il nous montre le visage le plus authentique du Père. Pour nous laisser ramener vers le Père, pour nous laisser sauver du péché, pour nous laisser combler de tous les délices que Dieu avait annoncés, pour nous laisser recréer, il faut être greffé à Jésus. Jésus, c'est ce que nous voulons faire maintenant, en renouvelant nos promesses baptismales. Nous voulons nous laisser greffer à l'arbre franc, à la souche qui peut nous guérir, qui peut nous sauver vraiment. Lui le seul qui peut nous sauver de la mort et du péché. Jésus, le Christ est vivant, le Christ est ressuscité, le Christ nous a sauvés. Frères bien-aimés, prions Dieu notre Seigneur de sanctifier cette eau pour y faire naître la vie nouvelle dans le Christ. Tous ceux qui recevront le baptême en son temps de Pâques, et demandons-lui d'entourer de sa tendresse tous les catéchumènes qui seront baptisés dans cette sainte nuit de Pâques à travers le monde. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans tes mystères, dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême, envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre ministère deviennent efficaces par ta puissance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements, et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau ta créature pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en proie de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau, et quand il fait ressusciter, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église, et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême, des souillures qui déforment cette image, et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous vivions avec lui d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on a fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, vous répondrez d'abord trois fois de tout votre cœur, même chez vous derrière l'écran, de tout votre cœur comme un bouquet de cadeau. D'abord, vous direz « Oui, je le rejette » par trois fois, puis « Nous croyons ». Pour vivre dans la vraie liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Et maintenant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Levez au ciel vers toi, Dieu, son Père tout puissant.
la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans le nom.
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.
Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Avec le Saint-Sacrement pour que Jésus
Libérateur.
C'est vrai, c'est des gemmes, de cœur. C'est les chants un festival, un feu d'artifice de cœur, oui. C'est les Bonne nuit les amis. Joyeuse Pâques.